day. Rise, look around you, and you will see who you are. Et ici, le mieux, c'est l'automne. L'automne avec le ciel bas, les nuages gris, uniforme avec la petite bruine qui fait frais. Ça me plaît, toujours quand j'étais petit, je connaissais ça, c'était bien. C'est reposant comme temps, plus reposant que le soleil et la chaleur. C'est un chemin qui nous conduit surtout à la tour. Qui nous conduit à la tour de Capanède et à Porto-Pole. Voilà. Et là, en suivant le chemin, un autre petit se dévoile. En suivant le chemin, on arrive à un petit endroit que peu de gens connaissent. Et peu de gens connaissent l'histoire de l'endroit. C'était un point de canon pour les Italiens durant la Première Guerre mondiale. Ils étaient tous postés tout autour de du littoral pour surplomber la baie. Surveillance. Je pense qu'ils s'emmerdaient bien ici. Et tu aimes bien cet aspect historique ? Ah, ça m'a toujours plu, l'histoire. Même découvrir l'histoire d'un lieu qu'on connaît depuis des années, de découvrir qu'en fait il y a une histoire derrière et tout ça. À mes yeux, ça lui donne plus d'importance parce que c'est un lieu qui est historique. Qui a été traversé. Qui a été traversé, pas que par nous, par les touristes et autres. Ça fait du bien de se dire qu'il n'y a pas eu que nous. On n'est pas les seuls. Alors, et ton avenir, comment tu l'envisages ? Mon avenir ? Peut-être, comment dire, essayer de faire vivre la langue corse en premier. Tu penses que c'est important de la conserver, cette langue ? C'est très important, parce que c'est ce qui a aussi fait la spécificité de tous ces lieux. Ce qui a fait la spécificité de la Corse. Et de la langue corse. C'est un tout. Et les habitants aussi. Donc tu serais dans la transmission. De quelle manière tu envisages cette transmission? Dans le professorat? Moi, plus en étant peut-être prof de Corse ou prof d'histoire bilingue en Corse. Comme un relais? Ouais. Puis aussi éveiller les consciences aussi, non? Les consciences qui sont... C'est le plus dur. C'est le plus dur, les consciences. À éveiller, parce que bon, moins en moins de conscience, de... Tu sens qu'il y a un lâcher-prise de ta génération, en tout cas? De ma génération, alors là, c'est... En français, je ne saurais pas le dire, mais on se compiente. Encore, de moins en moins, les jeunes, ils s'intéressent au lieu, ils s'intéressent à l'histoire de même de chez eux, de leur village, je crois. C'est quand même assez fou. Une semaine type M-Rice, ça ressemble à quoi? Les cours, les réunions de préparation pour l'exercice de la jeunesse et des fois réunion de commission ou session à l'assemblée.
Tu sens que tes interventions à la collectivité, à la CDC, servent à quelque chose ? Ben, pas forcément que les miennes, mais oui, il y en a certaines qui peuvent faire avancer les choses. Il y a des adultes qui ont déjà, je pense, assez fait, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et après, oui, c'est à nous de reprendre le flambeau. Hein. Tu te sens différent des autres ou pas ? Oui. Ouais ? Ouais. Sur le point de la réflexion, la vision du monde, je pense que ouais. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Tu te sens comment quand on dit différent ? Différent, je me sens comment ? Je sais pas, ça me fait plaisir. Je sais que je suis le seul.